chien. Daisy, à droite. Stop. Daisy, couchez. La fête des saveurs en fait a été créée il y a 11 ans, puisque c'est la 11e édition aujourd'hui. Et en fait au départ elle a été créée pour promouvoir les métiers de bouche qualitatifs de Châtillon. Une fois par an, en général soit fin septembre ou début octobre. Cette année il y a environ une cinquantaine de stands présents sur deux rues, sur la rue Gabriel-Péry et sur la rue de la mairie. Donc des commerces de bouche hein, bien évidemment, puisqu'on est toujours dans la promotion de la saveur. Et du commerce qualitatif avec des ingrédients de qualité, donc de plusieurs continents, puisqu'au départ on s'était vraiment focalisé sur les saveurs uniquement françaises, et là on part un peu au niveau des îles, au niveau du continent africain, et cette année on a même étendu un petit peu au niveau du continent asiatique. Il y a le poulet. Oui, il y en a au poulet aussi. Et il y en a à la morue aussi. Par qui est organisée la fête des saveurs? Eh bien, c'est en partenariat avec l'association du commerçant et artisans de Châtillon et la ville de Châtillon, donc, qui est partenaire au niveau logistique, donc prêt de matériel, et puis tout ce qui est apport au niveau festif, au niveau des animations. On est vraiment partenaire avec l'association du commerçant. On y tient vraiment beaucoup à ce partenariat et ça fonctionne plutôt bien depuis 11 ans. C'est-à-dire, vous voyez, regardez, il n'y a pas de crème. On appelle ça des mouches-mouches. En fait, oui, c'est des macarons, c'est vraiment de blanc d'œuf. C'est-à-dire qu'on colle les coques deux à deux à la sortie du four. Et ça fait des siècles.